Digue Radio. Digue Radio. La radio du Nord-Vendée. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans Backstage sur TV Vendée et Digue Radio. Aujourd'hui, on vous parle de Nini Poulain, une chanteuse qui va vous interpréter différents titres de chansons françaises. Alors, il n'y aura qu'un titre, je ne sais pas pourquoi j'ai dit plusieurs titres, mais voilà, moi je suis parti, c'est comme ça. Mais si, donc peut-être dans voilà, différents concerts qu'on pourra voir de Nini Poulain dans les prochains mois. Bonjour Nini Poulain. Bonjour Guillaume. Ça va bien ? Oui, ça va bien, je suis là, donc ça va. Ouais, très, très, très heureux en tout cas de vous accueillir ici sur le plateau de Backstage. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, je suis chanteuse, accordéoniste, artiste... auteur, compositrice, interprète. Je fais de la chanson française, de la chanson réaliste, je dirais. Voilà. D'accord. La chanson réaliste, c'est quoi ? Pour moi, la chanson réaliste, c'est, on parle de la réalité, de ce qui se passe réellement sur cette terre. Je ne suis pas poète. Ma façon d'écrire n'est pas du tout poétique. J'en ai bien conscience. J'admire ceux qui savent écrire avec beaucoup de poésie. Moi, c'est assez direct. Mais voilà, c'est aussi dans ce côté-là que c'est assez réaliste. Voilà. D'accord. Quelles sont vos influences, Nini Poulain ? Vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous aimiez écouter quand vous étiez enfant ? Quand j'étais enfant, j'étais une grande fan de Madame Piaf. Ah. Voilà, j'aime, et j'aime toujours d'ailleurs Madame Piaf pour sa façon de chanter l'amour, évidemment, et voilà, enfin, tout ce qu'elle dégage, j'ai pas besoin de m'expliquer, je pense que tout le monde le sait. Quand j'aimais aussi beaucoup Mylène Farmer, c'était mon petit côté sombre à moi. Et après, en grandissant au niveau de l'adolescence, c'était plus Mano Solo. D'accord. Je suis une grande fan de Mano Solo, qui nous a quittés il y a tout juste 10 ans. Et autrement, aujourd'hui, mes influences, c'est beaucoup Yves Jamais. Je suis une grande fan d'Yves Jamais. J'ai été voir plusieurs fois en concert. Voilà, en gros, mes influences. Très bien. Donc, un beau parcours pour Nini Poulain. Hein. Une carrière déjà bien remplie, on peut le dire. Oui. Vous avez commencé tôt, la chanson. Alors, j'ai commencé tôt la musique. À 6 ans, j'étais violoniste. Oui. 12 ans, je suis devenue accordéoniste, et, 11 ans, et 12 ans, j'ai commencé la scène en tant que chanteuse et accordéoniste dans un petit orchestre de bal. Et après, j'en ai pas fait mon métier, j'étais toujours amateur, mais j'étais toujours chanteuse dans un autre orchestre. D'accord. J'ai fait ça pendant longtemps. À 30 ans, j'ai complètement arrêté la musique, et puis j'ai repris il y a quelques années là, et je me suis vraiment lancée dans mon projet Nini Poulain il y a 2 ans. Voilà, parce que j'étais devenue comptable dans ma vie et voilà, et j'avais mis un petit peu de côté mon rêve d'enfant, parce que c'est quand même un rêve d'enfant. Et il y a 2 ans, j'ai décidé de tout lâcher pour réaliser mon rêve. Voilà. Donc la chanson, l'accordéon, c'était une évidence pour vous ? La chanson, c'était une évidence. L'accordéon, c'est l'instrument que je maîtrise. Donc voilà, j'ai dit, j'étais toute seule, je vais prendre mon accordéon et m'accompagner. J'ai découvert une artiste qui s'appelle Zaza Fournier aussi, qui est accordéoniste-chanteuse. Ça m'a aussi beaucoup inspirée, en fait. Ouais. Voilà. Et ça m'a donné envie d'écrire des chansons quand je l'ai écoutée. Voilà ce qui s'est passé. Nini Poulain, vous pouvez nous dire pourquoi ? Oui, c'est très simple, en fait. Nini, parce que je m'appelle Stéphanie et on m'a toujours appelée Nini quand j'étais petite. Et Poulain, c'est tout simplement mon nom de famille. Tout simplement. Voilà. Oui, souvent on cherche par rapport à Amélie, mon mari, le côté titi parisien que j'ai, certes, et que j'assume. Mais en fait, non, je ne suis pas allée chercher si loin, c'est mon nom. Et ça tombe plutôt bien, du coup. Voilà. Alors, vous écrivez, hein, vous êtes donc auteur, compositrice, interprète. Oui. Qu'est-ce que vous aimez écrire ? Qu'est-ce que j'aime écrire ? J'aime écrire ma façon de voir la vie, mon amour, ma foi pour la vie. J'aime parler d'amour, de confiance en soi. J'aime aussi parler je parle de ce que j'ai dans mon cœur. J'ai plein de choses à dire. J'ai vécu pas mal de choses dans ma vie, comme tout le monde. Hein, c'est ça dont j'ai envie de parler, ce que j'ai vécu comme expérience, ce que j'en ai tiré de ces expériences pour donner de l'espoir aux gens. J'ai envie de dire aux gens, aimez la vie, aimez-vous avant tout, et ayez confiance et osez être vous. C'est ça qui est vraiment... Ce qui me tient à cœur, c'est ça, de dire aux gens, osez être vous, n'ayez pas peur. On est dans une société où on essaye de nous faire peur de tout.
Voilà, et je suis un petit peu à l'inverse de ça, à l'opposé, à dire non, au contraire, osez, n'ayez pas peur d'être vous. C'est ça que j'aime écrire dans mes chansons. Donc, je parle de ce que j'ai expérimenté dans ma vie avec une pointe positive à la fin, en général. De beaux messages dans vos textes et dans les mélodies voilà, qui accompagnent à l'accordéon, notamment. Voilà, tout est réalisé par Nini Poulain. Oui. Il y a quelques chansons où ce sont des auteurs qui m'ont écrit les textes, qui m'ont proposé leurs textes, mais voilà, la plupart ce sont mes textes, oui. Voilà, et puis Nini Poulain, c'est aussi sur scène avec donc des musiciens qui vous accompagnent. Bientôt, voilà. Bientôt. Les musiciens avec qui j'ai enregistré mon album, qui sortira prochainement, là, dans les mois à venir. L'objectif est bien sûr qu'ils m'accompagnent sur scène prochainement, voilà. Alors c'est parti pour le moment live, hein, oui. Live acoustique sur TV Vendée dans Backstage. Qu'est-ce que vous allez nous interpréter, Nini Poulain ? Alors c'est vrai que mes chansons sont plutôt positives. Là je suis partie sur un sujet très lourd. Je vais vous interpréter une chanson qui s'appelle « Je bois », qui parle de l'alcoolisme. C'est quelque chose aussi qui me tient à cœur, dont j'ai envie de parler. Voilà. Eh bien c'est parti, on y va pour le live dans Backstage. Il y a 5 ans, mes journées étaient toutes les mêmes. La même routine toujours, la même rengaine. Dès le matin, je prévois pour le soir 3-4 bouteilles, un cubi, tout ce que je peux boire. Puis je pars au boulot dans un état critique. Une halte sur la route pour vomir mes tripes. Je connais ma journée transpirée et tremblée. Mon corps va réclamer l'alcool qui pourra le soulager. Je bois, je bois, je bois. Je bois tous les jours, c'est comme ça. Je bois, je bois, je bois. Je bois l'alcool guide mes pas. Je suis triste, ébranlée, terne et fermée. Mon désarroi, ma maladie, toute ma vie est cachée. Tous ces gens qui ne boivent pas, moi je ne comprends pas. Comment font-ils pour vivre sans alcool? Moi je ne peux pas. Je ne sors plus, je suis seule, j'ai fermé toutes les portes. Des amis qui ne supportent plus comment je me comporte. Les seuls qui me l'ouvrent sont trop bienveillants. Ils me donneront pas la dose dont j'ai besoin dans le sang. Je bois, je bois, je bois. Je bois tous les jours, c'est comme ça. Je bois, je bois, je bois. Je bois l'alcool guide mes pas. C'est un soir où j'en ai marre d'en avoir marre. Ma vie est guidée par l'alcool, mon seul but, c'est de boire. Je me dis, soit c'est foutu alors, je me fous en l'air. Soit il reste une chance pour que je le pose, ce putain de verre. Je suis devenu un robot imbibé d'alcool. Je ne ressens plus rien, plus d'émotion, juste un ras-le-bol. Je tente la dernière carte que je n'ai pas encore jouée. Dans un groupe de paroles, à leur porte je vais crier. Je bois, je bois, je bois. Je bois tous les jours, c'est comme ça. Je bois, je bois, je bois. Je bois l'alcool guide mes pas. Mon cri est entendu, ces gens-là me tendent la main. Ils ne me jugent pas, non, ce problème, ils le connaissent bien. Il me donne l'espoir, la force d'y croire. Il me dit juste pour 24 heures, tu ne vas pas boire. C'est là que tout bascule, ma vie si ridicule. C'est fini aujourd'hui, plus question de cubi. Je n'ai plus son emprise, le robot s'humanise. Cette vie n'était pas la mienne, être heureuse, je me l'autorise. Je bois, je bois, je bois. Je bois tous les jours, c'est comme ça.
Je bois l'alcool guide mes pas. Voilà 5 ans maintenant que tout a basculé. 5 ans où j'ai dû tout bouleverser. J'ai décidé de tout changer, de tout quitter. Homme, boulot, ami, ma nouvelle vie va commencer. J'ai appris à m'aimer, je me suis réconciliée avec mon âme fidèle qui s'est remise à chanter. Un jour j'ai décidé d'être heureuse, ça fait 5 ans, pari réussi. Aujourd'hui je vis pleinement. Je vis, je vis, je vis. Je vis, je souris à la vie. Je vis, je vis, je vis. Je vis, je dis merci la vie. Merci la vie. Merci la vie. Merci Nini Poulain pour ce joli moment dans Backstage. Merci à toi de m'avoir accueilli. Avec plaisir, toutes les infos à retrouver sur Nini Poulain, c'est sur les réseaux sociaux. C'est ça, Facebook, Instagram, YouTube aussi, toutes mes vidéos, voilà. Et tous les concerts prochainement, on l'espère. Oui, sur ma page Facebook. Merci Nini Poulain. Merci. Et puis à une prochaine fois dans Backstage, en tout cas avec plaisir. Bon vent à vous et on se retrouve donc la semaine prochaine avec un autre artiste dans Backstage.